Chers licenciés, en ce début d'année 2022, nous sommes toujours pas sortis de cette crise sanitaire. Mais le Saint-Gély Basketball est toujours là. Après deux années sportives tronquées, où le club a dû faire preuve d'une adaptabilité sans faille, notre club est toujours privé à ce jour d'une partie de son ADN. En effet, les moments conviviaux sont toujours très compliqués à mettre en place. Malgré cela, le basketball sur notre territoire est plus populaire que jamais. Avec près de 430 licenciés, le club est sur un nouveau record, sans compter près de 150 pratiquants sur la communauté des communes, par l'intermédiaire des foyers ruraux de Vaillocès, de Saint-Mathieu et le tout nouveau club, les Loups du Pic, à Saint-Martin-de-Londres. Le club reste toujours dans son double projet, avec des créneaux et un encadrement toujours de meilleure qualité pour ses licenciés. Quelle que soit leur volonté, soit plus de compétitivité, soit plus d'aspect ludique. Je suis seul sur cette vidéo, mais le Saint-Gély Basketball, c'est un travail d'équipe. Je tiens à remercier tout d'abord les entraîneurs, à qui l'on demande toujours plus, les arbitres, les OTM, qui œuvrent pour le club, et bien sûr, les différentes personnes présentes dans les commissions et le conseil d'administration. Merci à nos partenaires institutionnels, la mairie de Saint-Gély-du-Fesc, la mairie de Saint-Clément-de-Rivière, le département et la région. Merci également à nos partenaires privés qui ont renouvelé une nouvelle fois leur confiance cette année. L'année 2022 s'ouvre à nous et les projets sont sur le papier. Nous espérons tous pouvoir les mettre en place. Le modèle associatif a besoin de nous tous. Le lien social à travers le bénévolat est plus recherché que jamais. Je suis optimiste et vous souhaite une belle année 2022. À très vite au bord et sur les terrains.